sur les décors noirs, les gens continuent de me parler. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Ah oui, mais ils ont des camionnettes alpiniennes. Tout va bien. Alors, chercher des diversions. Je vais faire genre ça. Excellent. Danger. Toujours danger. Sans danger. Très bien ça. Ou non. Ok, je suis un peu trompé. Tout va bien. Ok, on est en altitude à nouveau. Sans danger, danger. On va savoir. Danger. Alors. Sans danger. Très très bien. Ah! Je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Mais c'était très bien. Hop là! Ok, le compte est bon. Inspecto. Oh bah yeah. Regarde devant la porte. Serrure de sécurité. Derrière le gars. Plus courant dans les banques que dans les centres de paiement. Cette serrure est vraiment très particulière. D'où vient l'alimentation ? D'où vient ton alimentation ? Par ici. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Ah. C'est ça ? Non, c'est ça. Toile électrique. Bon, au moins ça marche. Mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Ah. Je vais te donner du jus, hein, y a pas de souci. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. C'est bon là ? On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Encore une ? J'enlève ça. Trouvé. Ah ah. Et voilà. Ah, on a ouvert Jean-Jacques. Les bonnes toiles. Ah, par là. Et hop. Mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne. Ah. Tous les itinéraires partent de la même adresse. Les trucs de Fisk. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Alors, on sait où est-ce qu'ils fournissent. Enfin, ça fait un moment qu'on sait qu'ils volent des trucs à Fisk, hein, de toute façon. Des camions piégés ? C'est dingue ! C'était pas une guerre de gang.
Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborn. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. C'est pas vrai ! Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborn. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yori, c'est moi. Bonjour. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Et si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Oh, oui. On va y arriver. Tout va très bien se passer, tu verras. Voilà arrivé. Pour continuer cette quête dantesque. Consolidated ship. Très bien, soyons naturels. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. Alors. Page des gadgets. Vous pouvez désormais fabriquer des pièges de toile. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. Alors, piège de toile à déclencheur laser qui neutralise instantanément les ennemis. Très bien. La classe ! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Alors, toile de choc, piège de toile. L2 pour cibler les caisses. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Excellent. Là. Excellent. Ok, une première partie de fête. Ensuite. Comment faire ? Déjà, on peut faire ça. Si je vais par ici. Très bien. Ça fait des lasers rouges en moins. Ok. Et en train de se dire, tiens, c'est étonnant quand même, quelqu'un contre un mur. Hop là. Reste plus qu'un groupe. Oh. Ne ronfle pas.
Bon, ça va, pour le dernier qui reste. Lee n'est pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. On va reprendre l'étoile normale. J'ai utilisé mon ulti au lieu de faire mon scan. Oui, parfaitement. Ce sont des choses qui arrivent, ok? C'est arrivé à tout le monde dans cette pièce. Tout le monde. La facture d'un garage. Pale Horse Ride. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre? Ils ont des bases aux quatre coins de la ville. Alors ça donne des jetons de base aussi. C'est l'évolution des repères de Frisk, j'imagine. Vous pouvez filtrer n'importe quelle icône de la carte via la page légende, accessible avec la touche triangle. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Ah, j'aurais bien aimé avoir mon ulti. Nouvel archétype. Comme si un seul foie mortel ne suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. C'est très bien. Est-ce que t'as trouvé Lee? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale Horse Ride. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Très bien. Oula. Oula la 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 la. Ouf, 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 ouf. Oula, 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 on est en train de m'enchaîner là. Oh. Ça fait trop mal. Aïe, 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 non. Le bon soin. Oh, la complication. Compris, Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. Oula, qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà un autre. Parez à tirer. C'est nouveau, ça. Mm-hmm. Celui-là est pour moi. Et... je vais lui mettre une balle à ce fils. Hey, c'est pas comme ça qu'on fait. Chez nous. Code SM1. Wow, wow. Et avant de commencer, on pourrait se présenter. Code SM1. Code SM1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Très bien, on a une nouvelle unité armée. Version Osborne, j'imagine. Bonjour. Ah, sur les chaînes, je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International, une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. J'ai comme l'impression qu'on va se retrouver avec une troisième faction contre nous. Hé,
parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ah. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à Ahmed, ma part. Attends, oui. Je pense pas qu'elle est en danger quand même. Non. Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn. Bon. Une troisième armée présente, tout va bien. C'est vrai qu'on a encore des petits cadenas, il y a des types d'activités qu'on ne connaît pas. Il y a 4 cadenas ici. Il n'y a pas les mêmes activités partout. Donc à voir s'il ne manque plus que 4 types d'activités, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec des bases de ces mecs militaires là et tout ça, enfin de l'armée de Sable. Mais m'étonnerait pas qu'on ait au moins 2-3 activités avec ça. Et on a toujours pas les jetons orange, hein, par contre. Alors, les tenues. On n'a rien de nouveau qu'on peut acheter ici. Ah si! On peut acheter le costume de Stark et le costume de Ketch, qui vont magnifiquement bien ensemble. Là, il faut faire toutes les planques de Black Cat pour débloquer cette tenue-là. Très bien. Qui n'était pas du tout dans la grille, hein, je crois, avant. Ok, donc on a un nouvel outil, Spider Compagnon. Ça rappelle un pote. C'est trop bien. Prenons ça. En mode de tenue, on en a de nouveau. Alors qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter mise au point auto. Très bien. Capteur de danger. Ralentit le temps après une esquive parfaite. Pas mal. Les attaques avec une toile génèrent plus de concentration. Ça me semble bien. On va prendre le reste de ce qu'on peut acheter aussi, hein, tant qu'à faire. Là j'ai quoi? J'ai analyseur de combat pour augmenter mon XP. Et deux trucs pour prendre moins de dégâts. Je pense que je vais arrêter de prendre plus d'XP et que je vais prendre capteur de danger à la place. Parce que ça commence à devenir chaud. Ensuite en gadget. On a ça qui est nouveau. Là j'ai tout. Il n'y a rien où je peux acheter quelque chose, j'ai l'impression. Et en compétences, on a un point qui se balade. Alors, on va pouvoir choisir un autre arbre sur lequel prendre des trucs. Ouais. On va prendre ça. Mat Y pour saisir et projeter les ennemis entoilés. Et électrifiés, vous pouvez les jeter sur d'autres ennemis ou les coller à un mur. Ce qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, on s'est fait de petits achats, tranquille pépouze. On a fait dans cette session à la fois un peu d'histoire et un peu de quête secondaire de manière relativement éparse. J'espère en tout cas que cette session de Marvel Spider-Man vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible et comme à l'accoutumée d'ici là, portez-vous mieux. Bye.